We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello everybody, can you hear us? Bonjour à tous, m'entendez-vous? On dirait que oui. Je m'appelle Thomas Schneider, je représente le gouvernement suisse et j'aurai le plaisir de modérer cette table ronde parlementaire. Il y a 2 ans, une table ronde s'était tenue à Berlin. J'en étais aussi le modérateur d'ailleurs. Je suis heureux de pouvoir reprendre ce rôle. Certains d'entre nous sont en ligne, d'autres sont ici présents à Katowice et j'en suis heureux. Merci à tous, quel que soit votre mode de participation. Merci à l'équipe technique, merci aux organisateurs de cette rencontre. Je suis très heureux que nous ayons pu organiser ce sommet. Ce colloque durera une heure seulement, suis-je tenté de dire. Je vais donc présenter notre premier intervenant. Sans plus attendre, j'espère que je prononcerai bien son nom. C'est Monsieur Richard Terlecki, qui est vice-président de la Diète Assemblée nationale polonaise. Merci beaucoup. Participants du monde entier. Notre débat est la continuité, mais aussi le développement du débat qui s'est tenu à la Diète lors du sommet des Nations Unies. Nous réalisons ensemble les décisions des membres du Parlement prises en 2019. Le débat va concerner les cadres juridiques pour ce qui est de l'espace d'une toile dirigée et pensée pour les usagers. Les nouvelles technologies n'apportent pas que des avantages. On a parfois aussi des dangers, ne serait-ce que la cybercriminalité, la désinformation, les manipulations, la possibilité de vérifier les faits et la pensée critique sont la base. C'est ce qui nous permet de détecter les fausses informations. Donc là, c'est ce qu'il nous faut pour nous défendre contre les fake news. Il nous faut lutter contre les mensonges en ligne. L'Union européenne et les États membres sont souvent la cible de campagnes de désinformation dont le but est de les affaiblir. C'est le cas notamment pour ce qui est de la désinformation organisée par la Biélorussie et la Russie, campagne dont sont victimes non seulement la Pologne, mais l'UE d'une manière générale. Et ça concerne notamment ce qui se passe à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Loukachenko a encore remporté les élections en persécutant l'opposition. Pour ce qui est de des droits de l'homme et de l'état de la démocratie, la situation s'est gravement aggravée en Biélorussie. Les opposants ont été chassés du pays, enfermés, ce qui a suscité des mouvements de protestation en Biélorussie. L'Union européenne a imposé des sanctions à la Biélorussie qui avait persécuté des journalistes et des opposants. Et Loukachenko a décidé de détourner l'attention de ses agissements et de déstabiliser ses voisins ainsi que l'Union européenne. C'est pourquoi la Biélorussie a commencé à faire venir des migrants en provenance du Levant principalement. Il faut souligner que ce sont des immigrés économiques et pas des réfugiés. Il leur a promis qu'ils pourraient pénétrer en Union européenne. Ils leur ont fait payer le prix fort. Ce que fait la Biélorussie maintenant, c'est qu'elle accuse la Pologne d'avoir créé la crise à la frontière. C'est une manipulation, c'est un mensonge. La Biélorussie ment. Des faux comptes de journalistes sont créés, des postes fictifs sont créés par la Biélorussie et nous devons
lutter contre ce type d'agissement. Les parlements ont un rôle important à jouer de manière à ce qu'Internet demeure ouvert et sûr. Il faut, les usagers d'Internet ont besoin de liberté et de sécurité. Mesdames et messieurs, je suis content que notre coopération dans le cadre du débat parlementaire se développe en permanence. J'espère que d'autres pays organisateurs, tels que l'Éthiopie, le Japon, nous en avons d'ailleurs des représentants aujourd'hui, à Katowice, continueront le travail. Je voudrais ici remercier cordialement l'Organisation des Nations Unies, l'Union interparlementaire ainsi que le département de politique numérique de la chancellerie du Conseil des ministres pour leur aide et la coopération avec la Diète polonaise pour l'organisation de cette IGF 2021. Merci pour votre attention et je vous souhaite des débats fructueux. Merci beaucoup. Merci à M. Terlecki pour son intervention. L'intervenant suivant sera le secrétaire adjoint aux affaires socio-économiques, M. Liu Zhenmin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Merci de modérer cette table ronde parlementaire, interparlementaire. Il a déjà été dit que c'était la deuxième fois que, dans le cadre de l'IGF, on organisait ce type de table ronde parlementaire, justement. Je voudrais, pour commencer, remercier tous les intervenants, tous les parlementaires pour leur soutien et pour leur engagement. Leur motivation, leur participation à ce débat. Je voudrais aussi remercier l'Union interparlementaire pour le soutien qu'elle nous a apporté, le soutien qu'elle a apporté à l'organisation de ce sommet. Mesdames et messieurs, chers collègues, les parlements sont des lieux où de nouvelles lois sont créées. Les parlements nationaux jouent un rôle clé pour ce qui est de la création de nouvelles politiques numériques. Je suis heureux que l'IGF soit un lieu où les députés peuvent échanger des informations, des expériences, des bonnes pratiques. Il est possible d'interagir avec d'autres parties prenantes en matière de, pour ce qui est des questions les plus brûlantes concernant la transformation numérique et le développement des nouvelles techniques. Chers collègues, le sujet de cette table ronde est l'espace numérique. Un espace numérique, une toile qui mettrait au cœur de ses préoccupations l'usager. Lorsque l'on prend des décisions concernant la réglementation des techniques numériques, il faut avant tout bien comprendre comment fonctionne la technique, comment fonctionne la technologie et quels sont les besoins des usagers. Nous voulons que la technique mette l'être humain, l'usager, au centre, au cœur de ses préoccupations. Nous voulons que la technique nous facilite la vie au quotidien. Ces dernières années, nous avons observé une tendance qui va croissant et qui est de mettre en avant au niveau des parlements nationaux des questions comme la protection de la confidentialité, de la vie privée, la cybersécurité, la réglementation et la régulation de divers contenus sur Internet. Et je pense que c'est très, très important, c'est une tendance tout à fait positive. Et lors de cette table ronde parlementaire organisée dans le cadre de l'IGF, nous voudrions discuter de la manière dont nous pourrions améliorer les cadres juridiques, de quelle manière on pourrait introduire des réglementations, des outils juridiques qui pourraient nous permettre de faire face aux dangers qui se profile à l'horizon ou auquel nous faisons face dès aujourd'hui. Le but étant de faire en sorte que les nouvelles règles soient, nous approchent des buts qui sont les nôtres, de notre but mondial. Et le but général, c'est de faire en sorte, comme je le disais, que Internet place l'être humain, l'usager, au cœur de ses préoccupations. Donc, faire respecter le droit, lutter contre les dangers, faire en sorte que le milieu numérique soit plus prévisible,
plus stable, plus sûr. J'espère que cette table ronde parlementaire, dans le cadre de l'IGF 2021, sera une précieuse plateforme d'échange, d'expérience, et ne pourra qu'améliorer notre coopération future. J'espère que vous aussi, que ce débat, cette table ronde aussi deviendra une habitude, un élément central et régulier des IGF. J'espère qu'il y aura une table ronde parlementaire l'année prochaine aussi. Je voudrais encore une fois remercier les représentants de l'Union interparlementaire et remercier la diète polonaise. La diète, n'est-ce pas, puisque c'est comme ça qu'on appelle le Parlement ou l'Assemblée nationale en Pologne. Merci pour votre engagement et merci pour les efforts que vous avez placés dans l'organisation. Merci à notre modérateur Thomas Schneider. Je vous souhaite des débats fructueux et j'attends les résultats de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci pour cette... Merci d'avoir présenté. Merci pour cette intervention. Moi, je vais présenter Duarte Pacheco, qui est président de l'Union interparlementaire. Merci. Monsieur le secrétaire général adjoint, merci. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui participer à cette table ronde, ne serait-ce qu'à distance. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Union interparlementaire, l'IPU. J'aurais aimé être avec vous à Katowice. Hélas, ça s'est avéré impossible. La dernière vague de coronavirus m'a empêché de venir à Katowice, mais j'en avais vraiment l'intention. Et c'est vraiment dommage parce que je sais que rien ne remplace la communication en présentiel, les rencontres physiques, le face à face, le tête à tête. C'est important pour les individus, c'est important pour les familles, mais c'est important pour les parlementaires aussi. Et vous savez, je suis fasciné par la technique, par les technologies numériques. Et je suis content de voir que, où qu'on soit dans le monde, on peut continuer à participer à un événement comme celui-là grâce à la technique. Technique grâce à laquelle nous pouvons continuer à travailler en tant que député, malgré la pandémie. Ça montre de quelle manière la technique devient une partie inextricable de tout ce que nous faisons au quotidien. Pour nous, en tant que députés, parfois, je dois dire que Internet semble quelque chose d'insaisissable, d'incompréhensible, quelque chose de très technique pour les laïcs que nous sommes. Mais en même temps, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie du quotidien de la majorité des gens. C'est un réseau qui ne connaît pas de frontières, qui ne connaît pas de limites et qui reflète tous les avantages qui découle d'une connectivité sans faille. La nature illimitée d'Internet est ce qui nous permet de travailler avec un certain confort, malgré tout. N'oublions pas que grâce à la connectivité, nous pouvons continuer à travailler quoi qu'il arrive. Nous ne sommes pas laissés seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous pouvons continuer à travailler en équipe. L'année dernière, l'IPU, l'Union interparlementaire, a adopté une résolution concernant les abus pédophiles perpétrés via Internet, la pédophilie en ligne. Il y a encore de grands écarts entre les pays pour ce qui est des cadres juridiques. Vous savez, dans beaucoup de pays, il y a encore, aujourd'hui, il existe encore, on a encore la possibilité de perpétrer des abus en ligne. Tous les cadres juridiques ne sont pas satisfaisants.
Il est donc important de discuter, comme nous le faisons aujourd'hui, au plus haut niveau. Il est important de continuer à coopérer au niveau politique de manière à assurer, certes, la liberté d'expression sur Internet, l'ouverture d'Internet, car c'est absolument crucial. Il faut utiliser tous les avantages d'Internet, mais il faut en même temps lutter contre la criminalité, lutter contre la désinformation, contre les mensonges, contre les abus qui pullulent sur Internet. Il faut lutter contre les discours de haine qui apparaissent très souvent aussi sur Internet. Et puis, vous savez, une question qui est importante aussi, c'est de savoir qui crée les règles et quelles doivent être les règles. Quelles devraient être les règles. On a besoin de leadership politique. Nous aussi, nous représentons les gens, en fait. Nous, on est députés. Députés, ça veut dire quoi? Députés, ça veut dire qu'on est envoyé. On est les missi dominici du peuple. On représente le peuple. C'est ça le principe de la démocratie. Donc, nous devons représenter les intérêts de ceux qui nous ont envoyés, de ceux qui ont voté pour nous et qui nous ont envoyés au Parlement. Il est très important pour moi de travailler, de participer à ce sommet qui permet justement de rencontrer de travailler avec des gens d'autres pays. L'IGF permet un dialogue multilatéral, un dialogue qui va engager tant le secteur privé que le secteur public, l'administration, les entreprises, mais aussi la société civile. Nous devons apprendre les uns des autres, apprendre à nous respecter et faire de notre mieux afin de tirer les conclusions les plus constructives possibles de nos discussions. Je suis persuadé que l'IGF nous permettra d'améliorer plus encore notre coopération dont j'espère qu'elle sera de plus en plus étroite et de plus en plus efficace. Et faisons en sorte, comme il a été dit, d'être fiers de l'espace que sera Internet demain. Je vous souhaite des débats fructueux. J'espère que nous tirerons des conclusions fructueuses. J'espère que nous verrons en présentiel l'année prochaine. Le président de l'Union interparlementaire. On a parlé de mettre l'homme au centre, à la première place, mais selon nous que c'est bien les parlementaires qui représentent les gens, donc les citoyens de leurs pays respectifs. C'est pour cela qu'il est si important de donner la parole aux parlementaires pendant le forum IGF, le sommet IGF. C'est pour cela que nous faisons aussi un sentier thématique concerne les travaux dans les parlements des différents pays. Nous voulons que les parlementaires puissent entamer un dialogue et nous voulons le dialogue possible entre les parlementaires et les représentants de la société civile, le monde des affaires et autres domaines. Les travaux sont en cours sur un document qui collectera les conclusions qui ont été tirées pendant les débats de ce sentier thématique. Je suis sûr que ce sera un document très intéressant. Je passerai encore une fois la voix à nos parlementaires. Certains d'entre eux sont avec nous ici à Casavice. Les autres participent à la rencontre en ligne. Je donnerai la parole à Monsieur Abdullah Al-Tawari, membre du Conseil des représentants du Royaume de Bahreïn. Alors, les technologies numériques accélèrent en ce qui concerne leur développement. Nous vivons dans des temps très spéciaux. Nous n'avons jamais été aussi attachés aux technologies. Nous pouvons faire part de nos émotions, de nos réflexions dans cet espace numérique. Il y a aussi des dangers, la cybercriminalité et l'empreinte des droits humains auxquels nous sommes tellement attachés. La technologie se développe dans les dernières années de manière très dynamique.
nous essayons, en utilisant les technologies modernes, comme l'intelligence artificielle, la conversion de la voix et des autres technologies, nous aident à être plus près les uns des autres. Nous essayons de digitaliser chaque espace de notre vie, l'espace privé, personnel, social, politique, éducationnel, juridique aussi. Les technologies numériques sont un nouvel outil qui pourrait, pour, avec, dans le respect des droits des hommes, les sont utilisés entre, contre ces droits. Donc, garantir les droits de l'homme est un élément très important. Nous devrions tendre à sécuriser ces technologies accessibles pour le respect des droits de l'homme et pour la lutte contre la cybercriminalité. Nous, au Royaume de Bahreïn, nous avons mis en place des actes juridiques pour l'assurance des droits numériques et la lutte contre la cybercriminalité. Le Royaume de Bahreïn est pionnier dans ce domaine. On a élaboré une liste de lois qui luttent contre la cybercriminalité et qui réglementent l'espace de la protection des données dans ce domaine numérique, ainsi que la responsabilité pénale pour l'enfreinte de ces questions. Aussi à Bahreïn, nous avons ratifié des conventions arabes pour la lutte contre la cybercriminalité ou dans l'espace Internet. Le Royaume du Bahreïn est leader entre les pays arabes dans cet espace local. Nous avons besoin de plus d'efforts communs nationaux et internationaux pour la lutte contre la cybercriminalité et l'élaboration d'une structure juridique supranationale pour la lutte contre la cybercriminalité et pour la protection des droits de l'homme. C'est une tâche IPU et d'autres parlements nationaux. Merci. Merci beaucoup. C'est fascinant. Le Royaume du Bahreïn apparemment fait énormément de choses. Voyons maintenant un peu ce qui se passe en Europe et plus concrètement ce que fait le Parlement européen dans ce domaine. Et là, je m'adresse à la représentante du Parlement européen. Bonjour, merci. Marina Kaljurand est mon nom. Je viens d'Estonie. Je suis heureuse de pouvoir prendre la parole ici parce que je viens d'un pays où les questions numériques sont très importantes dans le débat public. J'aimerais remercier au secrétaire général et de l'IPO, de l'Union interparlementaire, pour l'organisation de ce sentier thématique. Je suis heureux que nous puissions nous rencontrer pour la troisième fois. C'est la deuxième fois que je suis physiquement sur place, là où se passe le débat, et je ne fais qu'attendre les entretiens si intéressants. Je suis heureux, c'est un grand honneur aussi pour moi de participer à ce débat en tant que femme. Donc, nous avons un meilleur équilibre de sexe. Mais malheureusement, je suis la seule femme. Et ça, il faut le souligner trop souvent, les femmes doivent s'exprimer plus fréquemment dans les questions politiques et les questions relatives aux technologies numériques. Dans ce domaine, il nous reste des choses à faire. Mais revenons à l'essentiel. Nous voulons tous ici parler d'un espace Internet accessible à tous, égal, neutre, etc.
Mais si nous regardons autour de nous, nous voyons que dans les différents pays, il y a des réglementations différentes, différents systèmes juridiques. Donc moi, ce que je veux souligner, c'est qu'avant tout, il faut attirer notre attention sur le fait qu'il faut fixer des valeurs internationales, des principes internationaux, et ce n'est que sur cette base qu'on peut créer des solutions législatives concrètes. On ne peut pas diviser Internet en plusieurs pays ou organisations. On ne peut pas se permettre à ce qu'il y ait des systèmes différents dans tous les pays. Évidemment, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est absolument faisable. Et je sais, car avant, je travaillais dans d'autres organisations et entités qui s'occupaient de la coopération numérique. Je sais que c'est possible si l'on engage les parties intéressées. Je souligne aussi que nous, en tant que politiciens, nous devons adopter un rôle de leader. Et vraiment, nous parlons aux citoyens de nos pays, nous écoutons leur voix, nous leur envoyons des messages et nous communiquons avec eux de manière différente. Mais nous devons nous souvenir que nous devons donner l'exemple. C'est nous qui devons gérer le processus. Il y a des discussions sur les cartes d'identité numérique dans l'Union européenne. Dans mon pays, c'est ces pièces d'identité électroniques fonctionnent depuis 20 ans. Au Kenya, ils l'ont fait l'année passée. On peut le mettre en place dans d'autres pays. Ceci exige toutefois de la coopération. En ce qui concerne notre rôle en tant que politicien, nous avons un rôle particulier à jouer, par exemple pour la protection de la vie privée. Tout le monde dit que les droits dans le monde réel devraient être les mêmes que dans le monde numérique, sur Internet. Nous devons faire plus pour protéger nos citoyens et nos électeurs. En parlant des questions numériques, très souvent, nous, en tant que membres de Parlement, nous devons sortir de notre zone de confort parce que ce sont des sujets qui peuvent nous paraître un peu trop techniques, un peu trop compliqués. Pour le faire, nous devons obtenir de nouvelles informations parce que si nous voulons créer une législation correcte, il faut qu'on repose sur des connaissances. Donc c'est notre rôle aussi. Nous devons participer à des rencontres comme celle-ci, parler à tous les intéressés et aux parties prenantes qui viennent d'autres pays pour s'enseigner, apprendre mutuellement les uns des autres. Et prendre compte des meilleures pratiques et des informations les plus à jour. Et un deuxième commentaire encore. Nous voyons que les questions numériques ne sont plus du domaine de spécialistes qui se rencontrent quelque part dans une cave et qui parlent de sujets qui sont complètement incompréhensibles pour les autres. Les questions numériques sont objet de discussion du mainstream, dont les discussions dans les parlements nationaux. Aujourd'hui, nous voyons ici, et ce qui me frappe ici, c'est qu'en Europe, apparemment, nous sommes chanceux parce que nous ne sommes pas conscients du fait que l'inclusion, ce n'est pas quelque chose qui est présent partout dans le monde. La moitié de la population mondiale n'a pas accès à Internet. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Donc les pays développés devraient être ouverts à la coopération, devraient soutenir les pays moins développés. Je suis fier que mon pays participe dans de tels projets qui soutiennent le développement des pays moins développés dans d'autres parties du monde. Et pour terminer, je me demande qu'est-ce que nous, en tant que parlementaires, pouvons faire à différents niveaux régionaux, internationaux. Au niveau national, nous devrions avant tout organiser des groupes de soutien, des groupes d'intérêt, qui fonctionnent d'ailleurs dans le cadre de toutes les organisations parlementaires. Il y a aussi des groupes horizontaux au Parlement européen qui représentent des opinions très différenciées. La coopération régionale est aussi très importante parce que dans le cadre d'une région, il est plus facile de s'échanger des informations et de se rencontrer. Pour moi, c'est les rencontres dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de l'OTAN, dans d'autres régions, ce sont des
des rencontres sur les, dans d'autres organisations, mais je pense que telles rencontres sont très importantes, et, ainsi que des informations comme la, l'initiative de l'entente numérique globale, mondiale. Merci, Marina. Je pense que ta remarque sur la participation insuffisante des femmes à ce débat est importante. En Suisse, un référendum a été organisé qui ne s'est pas terminé d'ailleurs, les résultats n'ont pas été positifs, à mon sens, puisque en gros, on voit que les gens ne font pas confiance au modèle mis au point par les gouvernements. Même une chose aussi simple que, par exemple, les cartes d'identité numériques, ça peut être controversé. C'est ce qui s'avère. En tout cas, je voudrais maintenant donner la parole à M. Alexandre Kienstein, qui est président de la commission à la numérisation et à la communication. Il est de la Fédération de Russie. Je ne sais pas pourquoi, mais nous ne pouvons pas, je n'arrive pas à lancer le film. Désolé, je ne sais pas pourquoi, mais l'organisateur m'écrit que le film ne peut pas être lancé. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je vous vois en tout cas. Oui, mais la transmission n'est pas possible. Donc, je demanderai aux organisateurs de bien vouloir lancer activer la caméra, enfin lancer l'affichage. En tout cas, chers collègues, je ne voudrais pas vous mettre dans une situation inconfortable, donc je vais commencer dès maintenant, tant pis. J'espère que les collègues de l'équipe technique réussiront à mettre en application ce qu'il faut pour que la vidéo soit lancée. Enfin. Je vois que quelque chose a changé d'ailleurs. Je vois que l'affichage a évolué. Peut-être des solutions ont-elles été trouvées, je ne sais pas. Quelques secondes encore de patience peut-être, si vous voulez bien. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais redémarrer l'ordinateur et relancer la transmission. D'accord ? Or should we allow Mr. Kienstein maybe to and the technicians to solve the problem and take another member of the parliament first? Question to the. Bien, entre-temps, je pense que notre équipe technique va pouvoir redoubler d'efforts pour résoudre le problème. Moi, ce que je proposerais, ce serait de passer à l'intervenant suivant, entre-temps, et puis on reviendra à la Fédération russe tout à l'heure. Non, on est là, d'accord. La vision. On vous voit maintenant. Merci beaucoup de m'avoir attendu. Et désolé pour ces problèmes techniques. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord accueillir, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de m'avoir donné la possibilité de participer en ligne pour pouvoir brièvement vous décrire les changements qui ont lieu ici en Russie. Il s'agit d'abord d'une évolution du cadre juridique. Vous savez, Internet en Russie, c'était une expérience d'enthousiaste au début, au niveau des CNRS, des CNRS, des universités. L'enthousiasme était immense au début. Personne n'aurait imaginé qu'Internet deviendrait aussi vite la puissance qu'Internet est devenue aujourd'hui, qu'Internet changerait l'aspect de notre quotidien, qu'Internet devrait le sujet de sommets internationaux comme aujourd'hui. En Russie, nous sommes tout à fait conscients de ce que représente la numérisation. Nous avons aussi des
des départements dans divers ministères, ministère du développement. On a un ministère du développement numérique et puis notre président, M. Vladimir Poutine, a lancé l'idée de développement numérique avec un horizon 2030. La transformation numérique va être une réalité d'ici 2030. Beaucoup de choses évoluent pour ce qui est du cadre juridique russe. Nous essayons de former nos cadres dans notre pays. Nous avons toujours eu un souci aigu de la professionnalisation des entreprises. Nous sommes un des pays du monde, des quelques pays du monde qui a ses propres services antivirus avec une cartographie Internet. On a un commerce Internet qui est très bien développé. On a un secteur de la création de logiciels. Nous avons nos propres réseaux sociaux. Beaucoup d'usagers locaux. Notre sphère numérique évolue avec dynamisme. Nous avons aujourd'hui plus de 5 millions de domaines Internet, de domaine.ru. Et d'ailleurs, le russe est une des langues les plus populaires sur Internet. Et tout ça, ça a été rendu possible par l'ouverture du marché, par l'ouverture d'une manière générale. C'est quelque chose qu'il faut considérer comme la prunelle de nos yeux. C'est extrêmement important. Nous allons continuer à l'avenir à créer des conditions appropriées pour le développement de nos spécialistes en Russie et dans toute la Fédération de Russie. Nous essayons de stimuler le développement, la croissance. Nous avons ici plusieurs initiatives, avec notamment un régime fiscal sans précédent, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui mettent au point des logiciels paient 4 fois moins d'impôts. Je parle des. C'est pas tant des impôts que des charges. C'est les charges qui sont divisées par 4. Donc c'est une forme d'incitation fiscale. On a aussi une TVA de 0% pour les produits qui sont considérés comme logiciels. Et puis à partir du début de l'année prochaine, ce qui va se passer, c'est que ce régime fiscal qui crée une croissance particulièrement dynamique va entrer en vigueur. Nous restons ouverts aux entreprises étrangères d'ailleurs, et je voudrais vous assurer d'une chose, c'est que la Russie n'a aucune intention de fermer ses frontières et de fermer son marché. Le marché russe est ouvert aux entreprises étrangères. Je voudrais dire aussi que nous, effectivement, nous voudrions justement que des acteurs internationaux viennent en Russie pour nous aider à développer notre marché, à condition bien sûr que les entreprises étrangères respectent la loi russe, bien sûr. Ce qui n'est pas possible, c'est qu'une entreprise vienne en Russie avec ses avantages concurrentiels, mais que cette entreprise ne respecte pas la loi russe. Ça n'est pas possible, bien évidemment. Mais sinon, il n'y a aucune discrimination. Nous voulons accueillir à bras ouverts les entreprises étrangères. La seule chose que nous exigeons, c'est que la loi russe soit respectée et que les impôts soient payés, tout simplement. Mais après, nous pensons que la construction d'un dialogue ouvert et constructif entre les divers géants de la big tech favorise la création, l'intervention et l'apparition de ce type d'entreprise en Russie. À la Douma, le Parlement russe, nous avons adopté une loi qui s'appelle... c'est la loi sur les entreprises internationales et leur activité en Russie. C'est la question des entreprises qui devraient respecter 3 exigences principales. Avec principalement, d'abord, il faut que ces entreprises aient une véritable filiale
en Russie, réelle ou virtuelle. Il faut aussi qu'il y ait un suivi des organes législatifs. Et puis, il faut qu'il y ait une boîte email qui permette un contact avec les usagers russes. Ça, c'est les... ce sont des exigences qui sont là. La barre n'est pas placée très haut. Je pense que c'est faisable pour tout le monde, pour n'importe quel big tech. Et après, ça permet d'avoir un véritable dialogue avec notre pays. Très souvent, malheureusement, il y a quelques problèmes. Pourquoi ? Parce que on n'a pas de représentation vraiment de véritable filiale. Il y a des sociétés qui n'ont pas de véritable filiale en Russie, de filiale qui pourrait être un interlocuteur pour le gouvernement russe. Les droits des usagers, pour ce qui est de la protection des données personnelles de nos citoyens, c'est aussi un aspect important. Il est évident que les citoyens, bien sûr, ont du mal aussi à faire défendre leurs droits. Nous avons de bons exemples pour ce qui est de la manière dont les big tech ouvrent leurs filiales en Russie. En général, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais au contraire, ils peuvent élargir leur business, générer des bénéfices supplémentaires. En particulier, des représentations ont été ouvertes par AliExpress, Huawei Technologies aussi. Et nous espérons que les sociétés, les entreprises qui conformément à leur CRIE vont se qualifier pour remplir les critères de la nouvelle loi, vont aussi joindre les nouveaux acteurs. L'espace Internet en Russie assurera toujours l'équilibre. En ce qui concerne les géants informatiques ou Internet, nous pensons assurer des conditions relativement dures. Il est clair que nous allons coopérer volontiers avec ceux qui vont coopérer avec nous de manière constructive. Comme je l'ai déjà dit, les géants internationaux qui ont jusqu'à un demi-million d'utilisateurs par jour devraient enregistrer leur bureau en Russie, mettre organe de supervision a dit que des sanctions administratives ne seraient pas appliquées de façon très stricte à partir du 1er janvier. Mais nous comptons nous espérons que dans le premier mois de l'année prochaine, le Big Tech va respecter notre loi. La Russie est l'un des pays qui est leader en ce qui concerne la réglementation d'Internet. Chers collègues, nous vous prions de... de bien vouloir vous approcher vers les conclusions parce que nous n'aurons plus de temps pour les autres intervenants. D'accord, j'essaierai donc de passer à la conclusion. Et je dirais que, très chers collègues des deux sexes, je voulais dire que la pandémie, le coronavirus, a eu une influence très négative, évidemment, sur la réalité, mais a eu aussi des aspects positifs. C'est-à-dire, il a permis le développement de l'industrie numérique dans notre pays. Maintenant, à présent, nous avons en Russie un grand problème pour assurer à la cybersécurité, car nous avons affaire à de la cybercriminalité. Nous voyons une grande croissance de celle-ci. Donc nous essayons d'empêcher les criminels grâce à des initiatives législatives. Nous voulons défendre les droits de nos citoyens et les protéger contre les cybercriminels. Et j'aimerais aussi dire que pour la Russie, en tant qu'État qui a le plus grand territoire de la planète, il est important... ce qui est important, c'est la question de la stabilité de la connexion Internet sur le territoire du pays entier. Maintenant, il y a des travaux très intenses qui sont menés sur le territoire du pays entier pour assurer une stabilité de connectivité Internet. Mesdames et messieurs, très chers amis, la Russie a toujours été ouverte à la coopération internationale en matière de cybersécurité. Il est très important pour nous de mener ce dialogue qui est une grande valeur pour nous. Je compte. J'espère que l'échange d'expérience nationale va nous aider dans ce domaine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.
Et notre panéliste suivant est Alan Alagi Mbao, parlementaire de Gambie. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous rencontrer à nouveau en ce sommet IGF. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à mes collègues parlementaires, ceux qui sont ici à Katowice, mais aussi ceux qui nous regardent en ligne. Je suis heureux de pouvoir vous rencontrer ici pendant cette table ronde. Souvenons-nous que nous représentons les citoyens, les parlementaires doivent comprendre en quoi consiste ce changement que nous essayons de promouvoir ici. La vitesse du développement technologique fait que nous devons acquérir de nouvelles connaissances. Je pense que ce forum ici va encourager tous les parlementaires dans le monde entier à faire part de leurs idées et de leurs pratiques en matière de numérisation. Le monde change à grande vitesse maintenant. La connectivité mondiale s'améliore. Nous arrivons à lancer des passerelles entre les inégalités dans le monde entier. Et je pense que nous, parlementaires, nous allons nous impliquer très fortement dans ce débat au sujet du monde numérique. Moi, je suis parlementaire d'un pays africain, de la Gambie, et nous aussi, nous remarquons le fait que peu de parlementaires s'impliquent réellement dans la discussion sur les nouvelles technologies qui manquent de connaissances au sujet de technologies. Il me semble très important qu'au niveau national, on encourage les parlementaires à obtenir de nouvelles compétences et connaissances. On met en place de nouvelles lois, on élabore de nouvelles conventions, telles la convention qui concerne la cybersécurité et la protection des données personnelles. Maintenant, nous devons rattraper les technologies, pour ainsi dire. C'est pour cela que nous devons agir très rapidement en mettant en place de nouvelles réglementations. Pour ce qui est de la protection des données personnelles, c'est très important dans le contexte des services médicaux ou financiers sur Internet. Je pense que c'est très important que la Convention africaine sur la cybersécurité et les données personnelles soient mises en œuvre le plus vite possible sur le continent entier pour que nos citoyens soient protégés, que nous puissions vivre dans un monde qui est protégé. En passant encore à notre domaine, et en me référant aux questions relatives à la protection des données, nous savons que les données sont collectées sur le continent, mais nous manquons de réglementation qui aiderait à une transformation sûre de données. Ce sont toutes des données qui sont collectées par des plateformes comme Facebook ou les banques. Beaucoup de ces informations sortent des frontières du pays ou du continent. Donc il faut qu'on fasse plus pour protéger les données personnelles des citoyens afin de s'assurer que les réglementations qui sont mises en œuvre répondent aux exigences de nos citoyens et les protègent de manière appropriée. Merci beaucoup. Grand merci. Et en réalité, cette crainte que les parlementaires ne sont pas au courant des nouvelles technologies ne concerne pas seulement les pays africains. Ça nous concerne, nous tous. L'un des aspects positifs de la pandémie était que nous avons dû tous prendre meilleure connaissance des technologies numériques. Mais ça, c'est un petit problème qui nous concerne tous. Notre dernière voix dans cette première tournée, ça sera Gabriel Silva du Panama. Good afternoon, everybody. It's a pleasure to be here and share with you some ideas on the future of the internet.
Merci de me donner la parole. J'essaierai de répondre à une question difficile, pour les parlementaires. C'est une question concernant la manière dont on peut créer une réglementation qui va protéger nos citoyens, mais qui ne vont pas étouffer l'innovation. La question est compliquée, mais j'aimerais me référer à celle-ci. Premièrement, il faut qu'on se rende compte du fait que les décideurs peuvent décider du futur d'Internet. Ils peuvent faire que Internet arrête de se développer ou, au contraire, donner une impulsion pour son développement. Nous vivons à l'époque de la pandémie du coronavirus. Imaginons de quoi aurait l'air notre monde sans Internet. Internet est devenu quelque chose qui a sauvé beaucoup de gens, entrepreneurs, des personnes qui utilisent Internet pour la communication. Donc pour les décideurs, Internet est un allié, non pas un ennemi. Mais Internet, c'est une grande puissance. Et les sociétés qui fonctionnent dans le cadre d'Internet sont souvent très puissantes aussi. Mais nous savons que le grand pouvoir veut dire aussi grande responsabilité. Donc Internet, ce n'est pas un espace où tout le monde est heureux, tout le monde fonctionne bien. Non, puisque sur Internet, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Et dans ce domaine-là, les décideurs doivent faire beaucoup pour protéger les citoyens devant la pornographie, contre la violence qui a aussi lieu sur Internet. Donc nous ne pouvons pas empêcher son développement. Nous devons mettre en place des réglementations appropriées, des réglementations qui vont protéger, entre autres, les droits de l'homme, les essentiels. Nous devons aussi approcher ces droits de l'homme avec la prise en compte du contexte local. Car tout ça, c'est des questions qui concernent l'économie globale au XXIe siècle. Et selon nous, que nous devons aussi assurer plus de ressources au personnel local et aux organisations qui veulent agir localement, par exemple la protection des droits de l'homme. Donc nous devons leur donner des outils qui permettront de protéger les citoyens au XXIe siècle. Bon, les droits de l'homme, c'est une priorité, c'est sûr, mais en créant une législation, nous devons prendre en compte les principes de base d'Internet. Il y en a plein, dont la centralisation, infrastructure ouverte, pour que les innovations puissent être créées sans avoir la permission de que ce soit, accès juste et égal. Il y a toute une liste de valeurs de base sur Internet qui doivent être maintenues sur Internet et pour l'Internet. C'est quelque chose qui est naturel pour Internet. Il y a un document qui est intitulé « La charte des droits de l'homme sur Internet ». Et ça peut être un document qui peut nous guider. Mais réfléchissons, qu'est-ce qui se passe pas s'il y a un conflit entre les droits de l'homme, les droits essentiels et les règles fondamentales qui gèrent le réseau? Il faut faire une étude de proportionnalité pour voir quels sont les droits de l'homme qui sont en danger et si on peut résoudre le problème de telle ou telle manière. Et pour terminer, entre quelques petites remarques encore. Lorsque les parlementaires parlent de cette question et analysent la proportionnalité, ils devraient coopérer et demander de l'aide aux représentants de différents milieux pour que la loi soit efficace. Souvenons-nous, l'Internet change le quotidien et le parlementaire ne réglemente pas seulement Internet, mais aussi l'éducation, l'économie. Donc il est difficile d'être à jour de tous les trucs qui marchent sur Internet. C'est le représentant des universités, des startups qui doivent coopérer pour la création d'une loi sur Internet. Beaucoup de parlementaires sont, moi y compris, nous essayons d'être proactifs et de créer une réglementation qui sera aussi bonne dans le futur. Évidemment, nous, il faut qu'on protège nos citoyens, mais il y a des technologies comme blockchain, par exemple, ou autres, qui donnent le pouvoir et les possibilités de prendre des décisions aux gens. Donc, il faut créer
des principes de base qui sont à la base de législation future. Ça doit être fait ensemble avec les universités, avec des organisations à but non lucratif, mais aussi le secteur privé. Donc je souligne que l'Internet a besoin de réglementation, mais il faut aussi sécuriser les droits de l'homme et ne pas enfreindre les bases d'Internet. C'est notre rôle. Merci beaucoup. Le temps nous fait défaut maintenant. En fait, nous devrions déjà avoir terminé. Mais nous allons prolonger quelque peu, si vous nous le permettez, parce que on a bien décrit toute la difficulté du travail des députés, et je me permettrai de faire un bref commentaire concernant la manière dont votre travail affecte la réalité. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas prise, bien sûr, mais dans le cadre de vous devez travailler dans la réalité qui est la nôtre. Comment assurer? Comment faire en sorte que... Comment être sûr de bien représenter les citoyens de vos pays pour ce qui est des aspects sur lesquels... les aspects que peu sont ceux... que peu de gens comprennent. Parce que quand on parle de choses aussi techniques qu'Internet, parce que c'est un sujet technique, c'est un sujet qui est que peu de gens comprennent. Tout ce qui est informatique, tout ce qui est technologie, c'est des choses qui évoluent très vite. Et peu de gens comprennent vraiment comment ça fonctionne. Donc, ça prend... comment est-ce que vous faites pour suivre le rythme des changements, de ces changements qui vont extrêmement vite? On a toujours les versions 1.0, 1, 1.1, 1.2. Alors comment suivre le tempo de la technologie? J'espère que nous y reviendrons lors des discussions à venir, mais peut-être quelqu'un voudra-t-il dès maintenant commenter le sujet ad hoc, comme ça, spontanément. Je crois que notre collègue de Gambie voudrait prendre la parole. Mais il faut allumer votre micro. Merci beaucoup. Ça marche maintenant? Ouais. D'accord. Merci. Oui, c'est tout à fait essentiel ce que vous évoquez là, parce que nous, ce que nous voulons, c'est effectivement représenter les citoyens, donc représenter leurs intérêts, le temps de la loi, le temps du processus législatif est beaucoup plus lent que le temps de la technique. Créer une loi, ça prend du temps, parce qu'avant de faire en sorte qu'une loi entre en vigueur, il y a un processus de consultation. Et vous savez, non seulement la technique évolue vite, mais... d'ailleurs, ici, on a des représentants des organes législatifs, n'est-ce pas? Et je pense qu'ils ils confirmeront que souvent, le législateur a trop peu de connaissances. En fait, on dépend des connaissances d'autres. On dépend des connaissances d'autres parties prenantes. Je pense qu'il est donc très important que les députés s'intéressent à la technique. Parce que pour comprendre un sujet, il faut commencer par s'y intéresser. Donc, si on voit le nombre d'entrepreneurs parmi les députés, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup, déjà. Et parmi les entrepreneurs, combien sont vraiment engagés dans la... Enfin, actifs dans la technique? Il y en a deux en Gambie. Il y a moi et une autre personne. Une autre personne qui a été mon étudiant à une époque. Donc, vous voyez, ça montre toute l'ampleur du problème. Donc, il faut parler. Il faut parler aux gens. Il faut essayer de former les gens le plus possible. Et puis, il faut demander le soutien des universitaires de manière à accélérer le processus législatif. Merci beaucoup. Ahmed Al-Mohanadi, pardon, une brève remarque en ligne, s'il vous plaît. Merci. We cannot yet hear you. You may have to unmute yourself. On ne vous entend pas. Hélas, vérifiez si votre micro est bien allumé. Activé. I'm sorry, we cannot hear
you're speaking. Pardon une fois encore, mais nous ne vous entendons pas. Je ne sais pas pourquoi, mais nous ne vous entendons pas. Maintenant, peut-être. Nous voulions avoir une brève remarque. Bon, quelqu'un d'autre, alors, peut-être. Marina ? Oui, on sait, tous autant que nous sommes, nous savons que les procédures européennes sont hautement bureaucratisées et les choses vont à leur rythme. Le rythme est assez lent. Donc, au niveau national, on peut essayer d'agir un peu plus vite, mais on a au moins des lois et des valeurs de base que nous devons respecter. Nous devons essayer d'agir intelligemment, rapidement et avec flexibilité. Bien sûr, parfois, il y a des choses qui nous sont imposées. Mais la pandémie de coronavirus a montré qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites au niveau mondial, alors que d'autres doivent être faites au niveau national ou au niveau régional. Il faut en être conscient. Il y a beaucoup de gens qui sont morts du coronavirus, et je pense qu'il faut en tirer les conclusions. Merci. Et nous devrons nous en tenir là. C'est la fin de ce colloque, mais ça n'est pas la fin du combat. Continuons à lutter tous ensemble. Nous sommes membres de l'Union. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne en Suisse, mais nous aussi, nous avons des problèmes de bureaucratisation, vous savez. Je voudrais faire le commentaire suivant. Je pense qu'il faut respecter certaines valeurs, effectivement, et il nous faut nous adapter, tant que faire se peut, aux avancées de la technique et faire de notre mieux pour être le plus flexible possible. Voilà, c'est ce que je dirais du point de vue de la... C'est ma remarque de bureaucrate. J'espère qu'elle sera utile et qu'elle sera entendue par ceux qui sont aux commandes. Essayons d'adapter notre processus législatif également. Merci pour l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. J'espère que les débats vont continuer ici, non seulement ici, en direct, en présentiel à Katowice, mais en ligne dans les jours à venir et l'année prochaine, bien sûr, en Éthiopie. Merci à vous tous et à bientôt.